not the ones to blame. We were tired of playing games, no wonder. Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Alors, on est le jour 35, ça va être le jour de la Horde. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais m'occuper déjà de renforcer un peu tout le rez-de-chaussée déjà pour commencer. Et puis ensuite, en attendant la Horde, je pense que si on a le temps, on s'occupera de la décoration à l'étage. Je vais aller nettoyer un peu autour là parce que j'aime pas qu'il y ait des zombies qui se baladent. Vous voyez là, on a encore des trucs qui traînent. Là, on a des choses à casser pour rendre ça un peu plus propre. Donc je pense qu'on va faire ça. Un petit pépère, t'es perdu. Ok. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Il y a encore plein de trucs à faire. Hein. Vous m'avez également laissé en commentaire des indications et des conseils. Notamment le renforcement des catwalks qui sont tout autour là. Donc ouais, c'est prévu. D'ailleurs, j'avais lancé dans le dernier épisode tout un tas de fer forgé. Donc on va aller voir. On va aller voir où ça en est. Alors oui, on est en 17.3. 17.3, j'ai pas testé, hein, donc on aura un peu la surprise. Bon, on va refaire du fer forgé. Vous voyez, c'est la clé hein, qui manque. Je me demande si j'aurais pas tout intérêt à les mettre sur deux. Bon, c'est pas grave. Je vais relancer un peu tout ça. Même si bon, là on est bien. Hop. Voilà, du béton. Béton, on est bien. Donc ouais, je vais aller m'occuper de nettoyer en bas. Je vais prendre de quoi construire. On a des choses aussi à nettoyer devant. Alors j'avais parlé aussi dans le dernier épisode de... Ouais, du fait de faire que deux entrées. Je vais pas le faire tout de suite, mais c'est une piste. C'est une piste que j'aimerais explorer par la suite. Ça me fait penser. Ça me fait penser avant. Parce que là, je vais partir sur du nettoyage. On va prendre ça. On va prendre les electrical parts. Et on va aller voir. On va aller voir au sous-sol. Si on n'a pas des repas à faire. Vous voyez là j'ai mes. Voilà, j'ai ça. Et ça, voilà. Hein, il vaut mieux les réparer. Bon là, ça va. Hop. Vous voyez, parce que si ça casse, après on n'a plus rien pour. On va mettre un petit coup, allez, on va pas être radin. Ça, tout sera nickel. Yep, parfait. Voilà, super. Hop, alors j'ai du fer forgé, je vais en profiter, je vais réparer tous ces trucs-là. Alors ouais, là il y a devant là, ça devant, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je finisse de casser tout ça, et l'idée c'est que je vais mettre des plates comme j'ai mis au-dessus. Parce que ça n'a pas bien marché mon truc la dernière fois. Ok, voilà. J'ai nettoyé devant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des plates, des plaques en béton comme ça. Je vais avoir aussi des rambardes. Ouais, et puis il y aura l'étage à s'occuper, mais je ferai ça après. D'abord on va faire ça. Voilà, c'est les rambardes comme ça. On va prendre ça aussi. Ça va être pas mal. Alors, la tronçonneuse, ça ira peut-être plus vite. Ça ira plus vite avec ça. Il y en a une qui est en train de taper là. Elle va s'énerver toute seule, elle était là. Toi. Voilà. Du coup j'aurais dû passer par l'autre côté.
Hop. Voilà. Ah, il y a celui-là que j'ai pas fait. Ouais. Ah, regardez là-bas, on a une petite crieuse. Hop. Bon, je l'ai eu. Ouais, je crois que... Elle a fait pop, lui ? Non, elle a pas fait pop. Récolter ça, bon je le ferai plus tard si j'ai du temps à perdre. Le sac est toujours pas fini. On va s'occuper déjà de la façade. Je vais mettre des plaques. Ça, je détruis. Voilà. Remarquez, je suis pas convaincu par ce truc là moi. Copier. Ouais, mon idée c'était ça. Je mets ça comme ça. On va en mettre une ici. Ouais, c'était là. Voilà, éventuellement une comme ça. Ouais, ça me convient comme ça, vous voyez. On va renforcer là, on va réparer un coup ici. Je vais pas les augmenter au maxi, il y en a encore une là à mettre. Voilà. Alors vous avez noté, hein, la dernière horde, ils avaient tendance à pas trop passer par là. Ils s'étaient fait un trou ici. Mais parce qu'il y avait des blocs, vous voyez, qui leur permettaient de sauter comme ça, là. Là, ils n'ont plus les blocs. A priori, j'aurais tendance à dire que ils ne passeront plus. Voilà. Et comme ça, s'il y en a un qui passe comme ça, je pourrais le shooter d'ici. Alors, à voir, hein, si je mets du barbelé, ça... Ça, c'est un bloc, ça les empêchait de passer. Donc là, ils passeront. Non, ça, ça coûte une blinde, faut pas me les... Allez, je vais faire ces trucs-là, tout petit nettoyage, ici. On va faire ça en accéléré. Pas mal ça. Alors par contre il y aura ici je pense qu'on va partir sur une avancée, ben, une avancée jusque là je pense, hein. Alors ici ça sera solide je pense, vous voyez, sur cette partie là maintenant qu'on a le mode pour sauter, je vais pouvoir casser le petit truc qui est en dessous là, et puis là il va falloir faire une avancée aussi ici. Je pense que ça sera une avancée de... Ouais. De 3. On aura la même chose ici. Et peut-être la même chose là aussi. Oh. Ouais, ça paraît pas mal ça. Puis après, du coup, je vais faire un... Ouais, un raccord comme ça.
Parce que l'idée, vous voyez, en fait, c'est que l'escalier qui se trouve là derrière, là, comme je vais faire un raccord en haut, il va falloir que je l'avance de 2. Donc il va falloir que j'ai une plateforme beaucoup plus grande ici. Donc je pense que c'est une occasion de faire un truc propre à cet endroit-là. Ouais, ça paraît pas mal. Et ça, éventuellement, on va le casser. Du coup, ça sert plus à grand-chose. Ah bah ok, bah du coup j'ai tout à faire en haut. Bah on va aller s'occuper de l'étage un peu là. Ouais, ça paraît bien ça. Du coup je réfléchis à comment je vais m'y prendre. Ok, bon je vais déjà casser ces trucs là. Ouais, là je pense que ça va être de la rambarde en fer. Et ici on a un truc qui fait un bon soutien en fait. Ouais, en fait... ici, on va avoir un pilier porteur. Ouais, comme ça, ça va nous faire un truc un peu plus, un petit peu plus massif. On avait ça réparé. Hop. Alors, je vais en garder une comme ça parce que, elle souffle plus vite. La grosse, elle souffle quand même super lentement. Et si on a besoin de rentrer en cas d'urgence. On sera bien content d'avoir quelque chose qui s'ouvre rapidement. Ok, bon voilà, on va partir hein, sur de l'épée. Donc on aura un truc comme ça. Éventuellement, je mettrai une grille en fer sur tout le tour là. Ouais, je vais faire l'escalier pour voir ce que ça donne. Parce que l'idée, c'est qu'on aura. D'accord, ici, tu vas aller chercher mes trucs de pierre à pavé. Voilà, l'idée c'est que on va raccorder ce truc là. On va le raccorder ici. Donc on va essayer, on va être à cette hauteur là. Alors, je vais copier celui-là. Hein. Ouais, ça paraît bien. Avancer de 2 pour que ça soit raccord avec ce truc là et du coup lui est un petit peu trop près. Il devrait tomber là. Yep, nickel. Ok, super. Donc là on va voir ça. Ça c'est du tout pourri ça. Hop, on va renforcer. Ouais, là c'est bien. Donc là, pilier porteur. Je suis pas sûr, vous voyez, de faire quelque chose à cet endroit-là. Je pense que ça va rester ouvert. Tiens, c'est fermé. On va regarder de loin, on va en profiter. Ah bah génial. Comme ça, on va pouvoir renforcer notre étage. Ouais, rambarde en fer. En barre d'enfer, on doit avoir. Je vais me faire une petite. Un petit passage. Hop. Donc voilà, on va avoir notre escalier ici. Ouais. Ouais, escalier en bois. Je vais déjà le faire en bois. On m'avait dit qu'il y en avait un avec des rambardes. Ah ouais, c'est celui-là je crois. Hop, on va s'en faire une vingtaine. Ouais voilà, et on avait encore des barreaux en fer. Alors je vais en refaire une petite barreau en fer, je vais en refaire une dizaine. Ouais, on va en refaire une dizaine. Je vais prendre les escaliers qui sont là, on va aller installer ça. Qu'on ait au moins quand même l'accès à l'étage. Là faut pas que je tombe. Hop, voyez, alors entrée, l'entrée, voilà, et ici, donc là, voilà, j'ai rambarde comme ça et rambarde comme ça. Voilà, bon, ça fait une petite bosse, hein, mais ça, c'est pas grave.
comme ça on a l'accès comme ceci. Et on va voir du coup l'escalier qui va descendre comme ça. Alors est-ce que je le fais descendre comme ça ou est-ce que je fais une avancée, je le fais partir sur le côté. Ça je vous avoue, j'en sais trop rien. Hop là. Et ça c'était un peu audacieux de ma part, mais c'est passé. Ok, bah, je vais faire déjà la bande qui est là. Ça c'est du porteur je crois. Ce qui me gêne, vous voyez, c'est qu'il y a un porteur. Il y a un porteur ici. Ouais, il y a un porteur là. Lui, ça serait bien quand même qu'il soit un peu costaud. Alors remarquez, un peu costaud. On n'est pas forcément obligé de faire dans le super épais. Alors on peut le faire comme ça. Là, lui, c'est un porteur, vous voyez, parce qu'il repose sur ce pilier là. Lui, c'est un porteur aussi. Je pense que je vais le faire dans le même esprit. En plus, moi, ça va me faire un point de repère. Alors, je mets ça, c'est en soutien. Parce que j'ai quand même peur que tout ça s'effondre assez royalement. Et bizarrement, le wood frame peut porter un poids infini. Hop. Du coup, je vais casser celui-là. Et ben, même principe. Même principe là, je pense aussi. Yep, celui-là est bien. On a un porteur là aussi. Mais de toute façon, toute cette zone là, elle est porteuse. Spécialement porteur. Ah, les porteurs en vrai ils sont surtout ici. On a tout le tour de la cage là. Ils sont où les grilles? Elles sont là. Donc c'est cette ligne là qui est porteuse en réalité. Alors, éventuellement je pourrais faire du porteur avec des plaques ici. Par sécurité ou des poteaux avec des pôles, mais des pôles c'est pas très beau, mais ça ferait quelque chose d'un petit peu plus solide. J'ai bien envie de mettre des plaques au milieu, vous voyez, comme ça. Vous voyez, ça serait comme ça. Oui, comme ça, ça fait quelque chose d'un peu porteur. Et du coup je pourrais peut-être virer celui-là. Non, je vais le garder. Bon, il y a celui-là qui est pas très beau du coup. Ouais, les plaques ça va être plus fin. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que du coup on a le transfo qui est derrière, mais c'est pas grave. Au pire hein, je le mettrai devant, mais là il est accessible. Voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu plus spacieux ici. Ah. Ouais, elles sont pas bien solides, hein. Heureusement en même temps, vu les degrés qu'elles arrivent à mettre. Bon, tout ça, c'est du tout pourri et j'ai 20 plaques sur moi, ça suffit largement. Ok, maintenant je vais installer l'escalier. En avant, je vais me faire hop, une petite structure ici. Donc voilà. Bon, j'ai envie d'avoir de la place pour circuler. Là, ça va tomber pile poil. Ouais, c'est ça, ça va tomber pile poil. Donc ça veut dire que ça tombe ici. Ah, nickel. Vous voyez, ça fait une rambarde sur les côtés. C'est quand même plus joli que ce qu'on avait avant. Donc merci de me l'avoir signalé. Je me souviens plus qui l'a mis en commentaire.
Mais c'est beaucoup plus joli comme ça. Puis du coup, bah là, ça va être du comme ça. Est-ce que ça va pas gêner ça pour passer? Non, c'est bon. Ça va nickel. Alors par contre, là, il va falloir que je fasse... j'en ai 6. Je vais faire le petit rebord quand même, hein, histoire de pas me casser la binette. Ouais, quand j'arrive ici. Ça paraît à moitié essentiel. Ouais, l'avancée est suffisante là. Là, pour éviter qu'il m'agresse pendant que je suis là, je remplis. Voilà, nickel. Il y aura de la rambarde à faire tout du long jusqu'à là. Là pareil, s'ils agressent le mur, que je puisse les shooter d'ici. Donc là il va falloir remettre de la rambarde. Ici par contre, on va mettre des rampes. Voilà, ça c'est très bien. Et puis ça, voilà. Du coup ça je peux l'enlever. Du coup il va me falloir des barres en fer. Là, il va m'en falloir plein. Ouais, et puis ici il va falloir avancer ça. Ok. Du coup, là. Ouais, du coup. Ah oui, d'accord, j'ai plus de structure en fer. Je vais aller en refaire. Ah bah du coup là on a refait plein de béton. J'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai refait des structures en fer. On va pouvoir terminer ce truc là. Voilà, ce truc là va être comme ça. D'accord. On a une petite horde ici. On va s'occuper de ça. Pas du tout. Ouais, ça touchait là. Ça promet, hein. Apparemment, on n'a pas de flic. Non, c'est bon. On va dire. Ok, bon, petit raccord pas mal là. Je vais aller terminer ça tranquillou. Et puis ça serait peut-être pas mal, de mettre une lumière, vous voyez, ici, pour éclairer pendant la horde. Ah ouais, ça serait bien ça. Je vais aller faire ça. Ah. Ça commence à cracouner. Je ne sais plus ce que je faisais. Ah oui, j'étais en train de faire ça. On va terminer ça quand même. Histoire d'être un minimum tranquille. On mettra une lumière après. Là, je vais mettre la petite rambarde. Ok, ça c'est parfait. Pour les lumières, on va installer une petite lumière là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, pendant la horde, on aura un petit peu de luminosité. Ouais, ça paraît pas mal ça. Alors éventuellement, ce qui serait pas idiot, ouais, c'est que j'ai un deuxième raccord et puis que je... Ouais, que j'ai... Comme c'est l'éclairage pour la horde, me faire un deuxième switch. Ok, super. On va installer un switch ici, qui va nous servir pour la lumière. Voilà, parfait. Oh là là, trop court.
j'ai encore le câble. Ah, je me suis éloigné de trop. C'est moche, ça. Il y a peut-être moyen de passer par là. Il faut feinter. Voilà. Et là. Bon, ici. Bon, bah c'est bien ça, je pense. On va tester ça tout de suite. J'aimerais bien qu'on ait un peu de lumière pendant la horde. Histoire que vous y voyez quelque chose. Et là, peut-être moyen. Non, ça veut pas. Ah non, je suis un peu trop loin. Ah, il faut pas grand-chose, non. Si, c'est bon. Essayer. Ah bah voilà, regardez. Comme ça on est bien éclairé pour la horde. C'est plutôt pas mal ça. Ah oui, alors et puis il y a quand même. Oh, puis ça nous éclaire par en dessous, il y a un petit côté. Ça donne un petit éclairage un peu mélodramatique. Qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Bon, peut-être falloir que je m'active. Bon, il est déjà 20h. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. On renforce. Ok, alors on a ça allumé. Super. On peut couper. Ah, c'est bien ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Ok, bon, je vais aller préparer un petit peu toutes mes affaires. Faut que j'aille manger. Je vais aller vider un peu tout ce que j'ai sur moi parce que ça ne sert à rien, je pense. Et puis, bah, on va se retrouver, j'imagine. Ouais, au début de la horde. Donc, je vous dis à tout de suite. Ah, on a un petit... Je crois qu'on a une crieuse. Ouais, on a une crieuse. Alors, j'ai quoi, là? J'ai tout ce qu'il faut. Un peu de matériel. Alors, j'ai relancé des... Ouais, j'ai relancé des kits de réparation au cas où j'aurais besoin de réparer mon fusil. Alors j'ai vu dans le patch que maintenant les kits de réparation permettaient de réparer plutôt pas mal. J'ai bien envie de me prendre le magnum. J'ai pris le fusil à pompe mais j'ai oublié de prendre les balles. Ok, super, on a tout ce qu'il faut. Je vais quand même de prendre de quoi me soigner. Je vais me prendre deux trucs comme ça au cas où, ainsi que bon, on avait quasiment tous nos bandages. Et je vais prendre des painkillers. J'ai mon eau qui est ici, ça j'en ai pas besoin, et ça non plus. Ok, bah, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Oh. C'est plutôt joli tout ça. Bon, bah, j'ai pas eu le temps de renforcer. C'est pas très grave. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est beau comme tout. On va éteindre là. Économie d'énergie. Ok, puis on va aller se placer en bas. On va attendre que ça arrive tranquillou. Je vais vérifier que j'ai rien oublié. Je pense que je vais me rendre compte au dernier moment
J'ai oublié des choses. Ça aurait été pas mal de tester ça. Ah oui, j'avais dit que je voulais mettre des barbelés. Alors, j'ai peut-être le temps d'en faire quelques-uns. Pas grand chose que je suis en train de faire. Quoique ça va peut-être les ralentir un petit peu. Hein. Voilà. Ok. Et ben c'est parti. C'est parti. Pour la petite horde. Ah bah voilà, ça commence bien. Toi, on va t'ouvrir en deux. Voilà. Allez les amis. Toi t'étais encore vivant. Façon de parler. Ah, vous êtes en train de vous acharner au même endroit. Ah, ils ont remis le son de nuit. Ça me gêne un peu. Oh, mais ils vont réussir à me casser mon truc en métal là. Allez, on va essayer de réparer un coup quand même parce que. Ah, attendez, faut que je prenne. Oh oh oh, toi, pas droit de passer là toi. Par là. C'est les chiens en fait que j'arrive pas à taper quand ils sont au ras du sol. Ah, ils sont en train de me défoncer le truc ici. C'est vrai, pareil, ça, quand même. Ah, j'arrive pas, il y a le feu. Voilà, on va réparer. Allez. Faut mourir, hein. On a entendu un petit sac. Un petit sac de loot. Vous pouvez arrêter de taper tout le temps au même endroit s'il vous plaît. On va écouter. Ah, voilà, on a des verres. Les verres, c'est un peu moche. Ah, merci. Oh bah une hache en pierre, on est ravis de ça. Allez. Si vous pouvez arriver. Et si vous pouviez attaquer
un autre endroit, ça m'arrangerait pas mal. On va réparer ça. Voilà, comme neuf. Oh, allez mes amis. Hop. Voilà. Ah mince. Allez, prends la masse, s'il te plaît, lentement. Non, voilà. Hop, un petit sac pour nous. Oh, on a vu un masque de... un masque de protection toxique. Masque à gaz. Ah. Voilà. Je suis pas sûr que notre système fonctionne bien au niveau des barbelés. Oh, il rentre pas. Nous a construit. Hop. C'est bon, il est mort. Bon, les verts, c'est des costauds de chez costauds. Hein. Ah si, vous voyez, ils sont ralentis derrière. Vous voyez, c'est bien ça. Comme ça. On peut les faire... ça permet de temporiser un peu. Et je crois que le bruit de métal qu'on a entendu, c'est quand je lui tape dans le casque. Allez. On va gérer ça. Oh, il y a du top, hein. Ah ouais, c'était quand je lui tapais dans le casque. C'est marrant. Il y a ce petit bruit de métal. Quand on lui met un petit coup de maillet dans la tête. Ah, ça marche bien ça. Ok, bon, ils attaquent par ici. Alors, on va mettre un petit coup de molotov pour les réchauffer. La chaleur humaine, c'est important. J'ai l'impression qu'il y a un bug, vous voyez, quand je les tape, des fois, ils refusent de... Ouais, ils n'arrivent pas à les taper. Et c'est notamment quand ils sont en feu. Ah, merci. Hop, voilà. Ils arrivent à la queue leu-leu. Chacun son tour. Vous battez pas. Il y en aura pour tout le monde. Hein. Voilà. Oh oui. Merci. Oh, on a vu un mode. On a vu un mode passer. Ah, il m'avait semblé avoir vu dans le patch que le démembrement était de retour. Alors j'ai pas de compétences particulières pour démembrer, donc je suis pas sûr qu'on le voit. Oh, il faut que je répare, voilà. Faut que je réteins parce que sinon les chiens vont passer. Hop là. Voilà, on arrose un peu. Histoire de dégrossir un peu. Oh, je me suis pris une grosse quiche. Non.
stuff pour dégrossir. C'est sûr ce que j'aimerais. Ils sont en train de me casser celui du bas là. Allez. Allez. Mon truc électrique bug. Ouais, j'ai l'impression que mon truc électrique bug. Oula, ça commence à devenir tendu là. Oh 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 oh. J'avais pas vu toi. Ouais ouais ouais. On va te mettre un petit coup de... On va repasser. Vous voyez, ça tire à travers. Ouais, ça tape au travers en fait quand ils sont en feu. C'est pas bon ça, si on a des chiens, ils vont passer. Ah, un petit chien là. Remarquez, pour les avoir, c'est pas mal aussi. Avoir un petit... avoir un petit passage comme ça. Ça leur permet de s'exprimer tranquillou. Ah, voilà, ça continue d'arriver. Un petit chien. Ah, voilà, nickel. J'aurais peut-être été plus intelligent de nettoyer et de réparer. Oh bah alors, n'importe quoi Jack. Hein. Comment ça devient un peu tendu. Hein. Vous voyez, il y a le feu devant en fait. Tant qu'il y a l'animation du feu, on peut pas les taper. Oui, vous l'avez cassé là. On va devoir avoir recours. On va normalement avoir recours à, au Blade. Parce que vous voyez là, ils sont quand même bien passés et ils s'apprêtaient à détruire celui-là. J'ai l'impression que c'est terminé. Je vais aller chercher un outil pour dépecer un peu les. Ouais, pour aller dépecer un peu les chiens. Bon, j'imagine qu'avec les lumières, quand même, vous y avez vu un petit peu plus clair. Il n'y a pas l'air d'avoir d'oiseaux. On va pouvoir allumer tout ça. Hop, les outils sont là. Qu'est-ce que j'ai fichu de la machette? Bon, là, c'est pas grave. On va prendre ça. Ah si, je sais. Elle est dans le coffre. On va prendre... l'épaule. Hop. Allez, on va dépecer tout ça. Mais j'ai oublié la machette, hein. Logique. Ouais, j'avais un des rares trucs que j'avais rangé ici.
scanner. Ouais, si je pouvais en avoir encore quelques-uns là. Ouais, super. J'en ai pas d'autres. J'en ai plus d'autres. Bah, on va remettre un pôle ici. Bon, bah, ça a craqué. Alors, ça a craqué. Ils ont surtout attaqué là. Ce qui est assez curieux. Et c'est les chiens qui passaient. Donc ça n'a pas craqué, hein. Les zombies ne sont pas passés. Ils ne pouvaient pas passer. De cette façon-là. Ils ont aussi bien attaqué ici. Vous avez vu, j'ai dû renforcer pendant le combat. Ouais, et vous voyez, les barbelés, ça a quand même pas mal marché. Alors peut-être qu'il faudrait que j'en mette au sol. Ouais, ça serait peut-être une bonne idée d'en mettre au sol. Et je vais aller voir si les fens sont pris cher. Vous voyez, celle-ci, elle est quasiment cassée. Celle-là aussi. Ouais, celle-là aussi, hein. C'est surtout là où ça... Ouais, vous voyez. Et je pense que celle qu'on entendait dysfonctionner, je pense que c'était celle-ci. Donc c'est bien qu'on ait cet accès-là. Ça permet d'aller réparer pendant les hordes. Ah, ça s'abîme quand même relativement vite. Hein. Il n'y a rien eu d'abîmé. Je vais aller chercher de quoi réparer les fences. Alors, vous voyez, ça veut dire que pendant une horde, on a des fences qui ne fonctionnaient plus. Ça veut dire qu'il faut quand même, pendant la horde, à un moment, descendre les réparer. Celle-là, je crois qu'en fait, elle correspond à rien. Okay, c'est bon, bon, le reste, il n'y a pas besoin de le réparer. Ok, nickel. Bah écoutez, ça s'est plutôt pas mal passé. Notre petit système de lumière était plutôt efficace. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'électricité. On fait des trucs très sympas avec ça. Bah écoutez, moi je vais aller renforcer là-haut en attendant que ça soit la fin de la horde, parce que je peux pas déconnecter sinon ça va relancer une horde. Donc on a fait ça, ça c'est bien. Donc maintenant, voilà, on peut renforcer tout ça comme ça, comme vous le disiez en commentaire, hein. Si on se paye des flics ou des vautours crasheurs, on aura de quoi les recevoir. Ah ouais, là ça fait bien là. Là ça fait super sympa et surtout ça fait super solide. Alors je vais pas faire le jardin, hein, ça va me coûter. Ça va me coûter super cher. J'en ai déjà mangé 500. J'en avais 500 lorsque je suis monté. C'est un truc de dingue. Les pôles, on va les laisser ici. Hop, parce qu'on a bien vu que c'était un peu l'endroit où ça servait. Et on va laisser du fer au cas où. On a récupéré ça et ça. Ça me fait penser, il faudra qu'on regarde, pas là, mais dans un prochain épisode, il va falloir que je me penche sur les armures. Bon, là, niveau béton, on est bien. On en a récupéré une bonne plâtrée. Ça fait plutôt sympa. Je pense qu'au prochain épisode, il va falloir se pencher aussi peut-être sur la déco ici, dans cette partie-là. Ouais, histoire que ça soit bien propre. Bon, j'ai vu que c'était prêt. Je vais me faire une petite récolte. Hein.
Ok, bon bah le jour s'est levé, vous voyez, je suis en train de récolter tranquillement, mais bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Au prochain épisode, faudra qu'on se penche, je pense, sur l'étage du bâtiment et finaliser un peu le tour. Bon, pour ça, il va falloir quand même que je farme du fer. Alors, est-ce que c'est pas une occasion? Hop là, ça tue. Voilà, tu le remets à sa place. Une occasion d'aller dans le désert, retourner à notre mine, histoire d'aller faire le plein de fer. Et bien, en tous les cas, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez, comme d'habitude, à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !